Cette fois-ci, je me mets à poil, je pose mes couilles sur la table et je vous emmène à la pêche. Votre mission, c'est de me trouver un challenge. Ma mission, c'est de le relever. J'espère que vous êtes prêts, les gars, parce que moi, je le suis. Bonjour, bonjour. Bonjour, back to school. Je suis prêt pour la dictée. Petite mission numéro... De 21, non? C'est pas ouais. Ça? Ouais, 21. C'est ça. Ok. Spéciale rentrée. Mm-hmm. Et la thématique, c'est pélagique. C'est pélagique et avant, il y a une dictée. Voilà. Et il faut... c'est la rentrée des classes. C'est ça. Donc, du coup, je te donne quelques feuilles de papier. Du papier, d'accord, voilà. Ça marche. Mais il y en a un peu trop pour une dictée. Mais... un petit stylo 4 couleurs, comme quand tu étais petit. Merci, j'adore. Voilà. Et ensuite, je te sors un petit bouquin de ma collection particulière, L'art de pêcher la truite. Un petit bouquin de 1928. D'accord. La classe. La classe, dédicacée par l'auteur. Alors si c'est du vieux français, je suis foutu. Ouais. Et si c'est du français littéraire, ça va être tendu non, quand même. Non, ça devrait aller, c'est okay. Type de pêche. Allez, tu choisis une page au milieu dedans. N'importe où. Ouais, vas-y. Et je la regarde pas. Non. Tu me la donnes et je te le dicte. Y a pas une... Généralement dans les livres, la dernière page elle est blanche, c'est les notes. C'est ça, faut pas non plus tomber. Gauche, sur un... gauche ou droite? Peu importe. Je choisis avec une main? Ouais. Allez, celle-là. Ok. Je l'ai pas vu. C'est parti. Je l'ai pas vu. Alors vous allez déjà rire de la manière dont je tiens mon stylo parce que je suis gaucher, comme Morel d'ailleurs. Et les gauchers, comme... s'ils écrivent comme ça, ils effacent. Ouais. Donc du coup, je le tiens comme ça. Voilà. Comme un peu comme un burin. J'aurais pu être tailleur de pierre. Bon, est-ce que t'es prêt? Bien sûr que je suis prêt. Comme jamais. Allez, c'est parti. Ayez toujours l'œil sur la truite. Ah, en plus, ça commence avec une phrase entière. Ok. Lorsqu'elle obéira... Attends. Sur la truite. Lorsqu'elle... obéira docilement à votre roseau. Lorsqu'elle obéira... obéira docilement à votre roseau. Docilement à votre roseau. Autiste de l'écriture. J'ai mal pour le stylo. Je le serre un petit peu fort. Hein, amenez-la en surface. Table, elle va craquer. Tu rigoles, mais. N'écris pas trop gros, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Amenez-la en surface. En maintenant sa tête hors de l'eau. Ok. Lorsque la truite ne s'agite pas. Et après, c'est toi qui fais une dictée. Ah, ah. Hors de l'eau. Alors, en maintenant sa lorsque tête hors de l'eau. Lorsque la truite ne s'agite pas. Hors de l'eau. Lorsque la truite ne s'agite pas. C'est incroyable, je remplissais des pages à la fac, des pages et des pages sans là, jamais avoir mal. Pour écrire 4 lignes. Et là j'ai fait trois lignes, je commence à avoir des crampes à la main. À chaque secousse. Attends, ne s'agite pas. Putain, ça veut dire que c'est pas fini, point virgule. Déposez, sans vous affoler. Doucement, je réclame une pause. Alors tu sais qu'il y a des syndicats d'élèves depuis. Hein, Putain. Camarades, je milite pour la pause toutes les 8 lignes. Hugo, si tu nous regardes. Déposez sans vous affoler l'épuisette auprès de vous, virgule. Allez, dernière parfaitement. Phrase. Point. Tuer, ouais. Attention, on va dire que voilà, ce bouquin est de 1928, ce n'est pas la pêche et les poissons. Tuer toujours la truite avant de la décrocher, point virgule. Non. Tuer toujours la truite avant de la décrocher, point virgule. Ah bah alors, ce passage est spécialement pour toi. Ah, on va parler de bouffe. Non. Non. Tuer toujours la truite avant de la décrocher, point virgule. Vous vous éviterez ainsi bien des surprises désagréables. Point. Ah.
ce bouquin est fait pour toi. Le type qui se plante un hameçon à chaque fois. Vous vous éviterez. Vous vous éviterez ainsi, bien des surprises désagréables. Ainsi, bien des surprises désagréables. Point. Bon, le chapitre d'après, c'est pour tuer net une truite sans la détériorer, mais on va arrêter là. Point. Voilà, fieu. Je propose, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu dur, je me relis pas. Mm-hmm. On a un peu fait les cons, peut-être c'est une mauvaise, un mauvais réflexe. Qu'est-ce que t'en penses? Ou j'ai le droit de relire? Non. Ah ouais? Non. Les ouais, dictées, normalement, t'as le droit texte, de relire. Le texte, il est CP, quoi, niveau CP, quoi. Tu veux que je te le fasse faire? Ah oui. Pour voir? Ben oui. Ok, alors si... Non, allez, vas-y, donne-moi que je corrige. Tu vas le faire. Allez, je vais corriger. Je corrige. Sans relire. C'est pas du jeu, hein. Tu veux relire? Non, je sais pas. Ou sinon, si je relis pas, toi, t'en fais une derrière. Allez, vas-y, relis si tu veux. Vas-y. Sûr? Ouais, mais si, j'ai peur que t'aies zéro faute. Allez, vas-y, fais-le comme ça. Vas-y, okay. C'est bon. Sûr? Ouais, ouais, sans relecture. Allez. Allez, tu vas comme ça, sûr de toi. Bah, j'y ai peut-être 5 fautes, j'en sais rien. Je sais pas. Allez, je coupe. Tu écris comme un porc. J'appuie. Oh, ouais. J'ai mal pour la table. Je sais pas si on verra, mais. Allez. La feuille d'en dessous, elle est claire. Ouais, ouais, grave. Allez, j'y go. Alors, tac. T'es pas crédible. Maman. Putain, bâtard, y'a pas de faute. Oui, dans ta gueule, là-bas. J'aurais dû faire l'autre texte, putain, c'était trop facile, ça. Putain, j'aurais dû faire l'autre texte. T'es baisé. L'autre texte, au moins, il y avait des trucs un peu plus corsés, quoi. Je m'en doutais que c'était ça, c'était trop facile. Je le savais. C'est, en vrai, c'était plus équitable, ce qu'on a fait. Donc, je vois pas beaucoup de rouge. Il a fait un sans faute. J'ai fait un sans faute. Je voulais faire un autre texte un peu plus difficile. D'ailleurs, je voudrais bien que tu mettes une petite appréciation, un TB. Écrit comme un porc. J'appuie un peu sur le stylo, mais je fais pas de faute. Ouais, bon. Alors, par contre, il y avait quand même une autre partie dedans où, en fait, il fallait que tu sois en Bermuda et avec un petit cartable. Ouais, ça, je veux bien. Et qu'il fallait, à chaque poisson, changer de leurre. Ouais, ok. Alors ça c'est bon, je me suis quand même débarrassé de la partie gage en faisant pas de faute d'orthographe sur une page et demie. Donc tu n'as pas de nombre. Donc j'ai pas le nombre à faire, ça va être sans pression, mais je vais faire le maximum pour qu'on passe une bonne journée, enfin qu'on essaie de vous montrer un ou deux poissons si c'est possible. Et puis voilà, on va jouer avec les règles pélagiques, verticales ou linéaires, mais pêche entre deux eaux, parce que c'est ça le pélagique. Et voilà, on va essayer ça. Ouais, donc je sais pas si on l'a dit qu'on était sur le lac de Vouglans. Voilà, c'est un lac clair, très profond. Donc il y a a priori pas mal de poissons qui se suspendent et ça fait quelques années que les cendres sont pêchées comme ça ici et il se fait des beaux poissons. J'espère qu'on aura la chance d'en prendre un demain. T'as vraiment le cul bordé de nouilles. Mais arrête de mélanger, tu mélanges la chance et le talent en fait. Ça m'exaspère. Il tombe sur le texte le plus facile du bouquin. Si tu veux, on change les rôles et on fait un essai. Bon allez, adieu. Non, à demain. À demain. Salut les amis, Bonjour, on se retrouve pour la mission 21. On est sur le lac de Vouglans, dans le Jura, et c'est une mission pélagique. Pélagique, pour le centre. Pélagique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une pêche entre deux eaux, tout simplement, qui se fait la plupart du temps au sondeur, mais pas forcément, on peut aussi jeter et pêcher entre deux eaux. Quand on pêche le brochet, on appelle ça une pêche en cranking, décollé. Quand on est plus sur les cendres, en général, les gens appellent ça pélagique. Et du coup, cette pêche qui est un peu à la mode depuis quelques années, elle a été beaucoup développée en Hollande. Je pense qu'il y a tout à faire chez nous, parce que les gros cendres, il y en a quand même beaucoup dans pas mal de lacs, tous les lacs du centre, tous les barrages. En fait, les gros cendres, ils se prennent de façon accidentelle, alors qu'il y a forcément des approches pour les cibler. Voilà, c'est le poisson, le gros cendre, qui a peut-être la capturabilité la plus faible, parce qu'il y en a, je pense qu'il y en a quand même beaucoup dans pas mal d'endroits, et ils se font jamais prendre, hors coups d'eau en fleuve, ou des choses, des éléments comme ça.
Mais c'est des poissons qui passent la plupart de leur temps suspendus, et du coup ils échappent au radar un petit peu. Des pêches traditionnelles à gratter, on s'imagine que plus on pêche fin, technique, à ras du fond, plus on va prendre des poissons. Et bah, en fait il y a aussi cette approche, donc bah, voilà, on veut vous montrer ça. Moi franchement c'est pas ma pêche, je vais me prêter à l'exercice avec plaisir parce que c'est assez rigolo. On voit les poissons au sondeur normalement, on va essayer d'en trouver. Et voilà, donc j'ai fait une dictée hier, j'ai pas fait de faute, donc on n'a aucun objectif chiffré de poissons. On va juste essayer de vous montrer cette approche de recherche des poissons entre deux eaux. Bon, t'as dormi sur ton petit bateau? J'ai pas dormi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, sérieusement. Je me suis mis à cogiter, j'ai pas dormi, mais bon, je suis en forme quand même. T'as pris ton petit bain ce matin, tout nu, dans l'eau, dans le lac. Tout nu, à 7h du mat. On faisait un petit peu le couple gay à Mykonos en vacances. Sur leur petit voilier. Mykonos, marque repère quand même. À Vouglan. On est à Vouglan comme deux vieux pédés. Donc, non, on est bien, là, on est frais. Et puis, on va démarrer cette petite pêche entre deux eaux. Allez, go. Allez, go. Prends ton petit cartable, parce que dans la partie du défi, il fallait que ça tienne dans un petit cartable. Alors voilà. Bon, superbe. C'est Fox, on fait des petits cartables. T'as mis mon nom dessus. Voilà. Pour la récré. C'est ça. Dedans, je t'ai mis un petit goûter. Regarde. Mmh. Oh, un petit goûter. J'ai droit à mon pitch à la récré. Petit grand-père, putain. Voilà. En même temps, quand j'étais petit, je voulais être fourreur de pitch. Fourreur de pitch. Pourquoi pas, c'est un métier comme un autre. Ouais, c'est pour les fiches. Du coup, il faut que ça tienne dans mon petit sac, et bah vas-y, j'ai pas besoin de grand chose, c'est l'avantage de cette pêche. Avec quelques corkscrews, alors j'ai quelques corkscrews dans cette boîte, j'ai quelques triples sans ardillon dans celle-là, et puis j'ai de quoi faire des empiles. Voilà, on peut prendre des brochets aussi en pélagique. Et du coup, je vais mettre des bas de ligne en gros fluoro et de l'acier en pointe. Même pas peur. Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est? Là, je sais pas, c'est des boîtes, m'amuse. Oh non, j'en veux pas de ça. D'accord. Non, bah si je dois restreindre, je prends pas ça. Par contre, je vais prendre aussi des. T'as des slicks finesse du coup? C'est dedans. Ah, ok. Alors, on va faire les montages. L'idée en pélagique, c'est qu'il faut réagir vite parce que, alors d'une part, les poissons peuvent nager et puis le bateau se déplace. Donc il faut être capable de descendre le plus vite possible à l'aplomb du bateau, donc juste sous la sonde, pour pas que le leurre sorte du cône. Donc il faut descendre très vite, donc il faut pêcher très lourd. Donc je vais mettre 40 ou 50 grammes de tête plombée. Je pense que je vais mettre une corkscrew de 40 ou de 50 sur une canne. Ouais, j'ai une 50, je vais même mettre ça. C'est pas très grave de pêcher très lourd. Je vais mettre ça du coup, comme on pêche en 50 grammes, on est obligé de pêcher sur des grosses cannes. Là j'ai pris une canne à jerkbait, tout simplement. J'ai un vieux badling qui est déjà fait. Ça va aller très bien comme ça. Je vais faire. Il y avait un nœud en 8 là-dessus vu la forme que ça. Donc on va le glisser comme ça. 8. Ah, c'est du recyclage. Et ça suffit. Ok. Ça c'est la base. Là dessus je vais mettre un gros slick finesse. Le truc aussi c'est que encore une fois c'est pas ma spécialité, mais je crois que plus le poisson vient de loin, moins il a de chances de refuser. À cette pêche là il y a énormément de refus, et du coup il faut mettre des leurres assez volumineux, assez gros, qui se détachent bien au dessus de sa tête, comme ça il peut monter de 3-4 mètres pour les attraper. Descendre pile sur le poisson, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, donc on va essayer de s'arrêter au dessus avec des leurres assez gros. Voilà, donc je vais prendre un gros slick finesse. Je vais quand même adapter. Mais quoi? Il sort son vieil opin. Bon, c'est bon qu'à ça. Je vais quand même essayer de matcher le diamètre de la tête plombée avec la tête du leurre. L'idée, c'est vraiment que ça descende vite. Donc, si on a trop de résistance quand ça coule, c'est pas mieux. Donc, j'ai essayé de matcher à peu près le diamètre entre la tête du leurre et le. Et ça, hop. Ça te fait rêver un tire-bouchon, hein, je sais. Mm-hmm. Surtout à 7h30 du matin. Ouais, mais je te connais, Morel. Paf. Voilà, donc on a un truc un peu. Ouais, c'est certes un peu grossier au niveau de la tête, mais ça va descendre vite sur les poissons.
On va faire ça. On va lui mettre un petit triple. Bah même un gros triple, pour être honnête. Qu'est-ce que j'ai en triple? Ouais, c'est un peu fort ça. Je pourrais en mettre deux, franchement, des triples sur un leurre de cette taille. Parce qu'il est armé que... Je pourrais en mettre deux, je vais en mettre qu'un. On va dire qu'ils vont être sympathiques. Je vais le mettre vraiment près de la tête. Ça va rien d'aller chercher trop loin. Ça, dans le dos du bazar. Bon, grosso modo, je vais le mettre un peu plus loin. Grosso modo, voilà le montage. C'est tout beau, c'est. Bon, c'est pas hyper beau, mais franchement, dans l'eau, ça va claquer. Ça, c'est les gros sabots, et je vais en monter un quand même un peu plus finote. Alors, j'en monte un autre un peu plus petit. Rien de. C'est assez similaire en fait, hein. C'est un. Un finesse qui est un peu plus fin, un peu plus discret. Comme ça, j'essaierai les deux. Ça permettra de voir s'il y en a un qui intéresse plus les poissons que l'autre. Paf. Alors, sur les têtes corkscrew, et je me suis surtout rendu compte que je ne l'avais pas attaché où il fallait, dans la brume matinale. En fait, il y a deux œillets sur les corkscrew. Un qui est plutôt centré et un qui est très vers l'avant. Celui qui est vers l'avant, il est plus fait pour pêcher en linéaire. Si on le met dans ce sens-là et qu'on l'attache sur l'œillet le plus en arrière, ça donne un meilleur équilibre au leurre, il se tient de manière beaucoup plus horizontale. Donc ça, faut plutôt l'attacher pour le pélagique par celui du haut. Et je me suis aperçu que j'avais un montage déjà fait avec deux triples, donc je vais commencer avec ça. C'est en 50 grammes aussi, c'est le même. Mais on va faire comme ça. Ouais, il commence à pleuvoir, ça y est. Bah oui, heureusement que c'est en short la mission. Je vous remercie une fois de plus pour les sévices physiques. De toute beauté. De toute beauté, voilà. Paf. Pas sûr qu'il y en ait un qui se jette dessus quand même, mais... Franchement, dans l'eau, ça me plaît. Et par exemple, donc l'action de pêche, elle va être toute simple. Je vais laisser descendre sur des échos. Donc normalement, hop, là, je vois mon leurre. Je vais me bloquer au-dessus. Là, par exemple, il y avait un groupe de poissons. Il y en a un qui monte sur mon leurre, qui l'a vu, mais il est sorti du cône. Ça veut dire qu'il s'est, lui, il s'est sauvé. C'était pas forcément un carnassier. Donc, on va bouger gentiment au thermique. On va essayer de trouver des poissons comme ça suspendus, et on va leur présenter le leurre. Des fois, il y a des poissons blancs qui montent par curiosité. C'est pas forcément des carnassiers. Mais c'est un peu l'action qu'on va essayer de produire aujourd'hui. Tiens, il y en a un autre d'ailleurs là. Hop, je vais lui laisser descendre. C'est pas forcément un carnassier, mais on sait jamais. Je vais bloquer suffisamment haut. Hop, là il l'a vu puisqu'il est monté direct. Hop, il est sur le leurre. Il est dessus, mais il a pas pris. Il est encore dessus. Dans ces cas-là, soit je bouge pas, soit je monte un peu. Et je vois si le poisson suit ou lâche l'affaire. Là, il a lâché l'affaire, il est redescendu. Et j'en ai vu un autre en dessous. Voilà, l'intérêt des 50 grammes, c'est que je descends à 2000 à l'heure sur le poisson, qui est comme celui-là à 15 ou 16 mètres de profondeur. Bon, celui-là était vraiment bordure de cône, donc l'écho n'était pas quali, clairement j'étais pas dessus. Bienvenue dans le jeu. Tranquillisé. Qu'est-ce que j'aurais été bien dans une RS20K? Tu me rappelleras le nom du mec qui a donné le défi là. Euh,
Je crois que l'office du tourisme du Jura va nous retirer les subventions. Incroyable. C'est un brochet pélagique. En pélagique, mon gars. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas que descendre à prendre en pélagique. Ouais, c'est un beau broc. Très beau broc. Regarde ça. Bim. Là, faut être armé psychologiquement. 4-5, vieux. Boum. C'est bon ça, Heidi. Voilà, il se casse. Boum. Ça, c'est fait. Ah, c'est encore pire quand il faut se rasseoir. Il y a un frisson qui me part dans les chines. Qui vient de du cul. Il vient de loin, mais grave. Ah, je suis gelé. C'est pas comme si chez moi il pleut depuis tous les jours depuis le mois de janvier, depuis le mois de juin, donc j'en ai plus rien à foutre. C'est vrai que là. Ça me rappelle le bléquin. C'est le bléquin du Jura. J'ai des frissons de malade. Les petites gouttes quoi. Oh putain, j'ai jamais eu autant de flotte. J'ai les doigts magiques, comme des capotes à nervures. Des Manix ultra skin, ultra sensitive. Putain, laisse tomber quoi. Broc. Paf. Ils étaient deux. Deux brocs ensemble. Ouais. Il est venu assez vite sur le leurre. Belle touche. Oh. Paf. Sweet finesse Wakazagi. Hop. One more. Eh oui. Bon, t'aurais pu faire deux fautes d'orthographe. Les cendres veulent pas, mais les brocs. Les brocs sont chauds, ouais. Ouais, ils répondent. Et les oeils. Bon. Donc, tu vois, je l'ai vu, je suis allé vers lui. J'ai bloqué au-dessus, j'ai vu que ça l'intéressait, il est venu assez vite, j'ai pris une belle touche. Bon. C'est chouette. Vamos. Bon, bilan de cette matinée, hormis les 6 mm d'eau. 6 mm par tranche d'un quart d'heure, on a pris. On va pouvoir débâcher, ça vient juste de s'arrêter. Et ça fait un bien fou, en fait. Je m'aperçois qu'il y a un paysage autour. Franchement, c'est c'est beau. Dans le Jura, c'est beau. Franchement, quand il pleut pas, les créneaux sont courts, mais c'est très beau. L'eau, elle est translucide, c'est magnifique. Il y a quand même des échos et tout. Franchement, c'est chouette. Il s'est passé pas grand chose en vrai, ça fait quand même 3 heures, ouais, bon 3 heures qu'on pêche, je pense. Et il y a deux poissons qui ont bougé franchement sur le Sleek Finesse. Bon, t'as quand même fait deux brochets. Ils l'ont pris, j'ai fait deux jolis brochets, donc je suis très content. Maintenant, je voudrais bien prendre un cendre pour histoire d'avoir les deux espèces un peu emblématiques de cette pêche en pélagique. Donc, ce serait bien qu'on prenne un cendre avant la fin de la journée, ça ferait une belle mission. Hey. Donc je cherche, je gère, comme je connais pas, je fais des grands S là dans 30-40 mètres en essayant de trouver ces fameux échos entre deux eaux. Et puis quand on en trouve un, on lui descend le leurre. Donc on va continuer notre errance en espérant sécher avant la prochaine averse. Bah là, on a mariné pendant 4 heures. Donc on est bien ramolli de des pieds, la peau est bien molle. Et là maintenant, bah, on passe au grill. Donc on va, je pense qu'on va avoir une belle cuisson ce soir. Cuisson. Une petite cuisson, la marinade qui va bien. À 90 degrés. Franchement, le top. J'ai l'impression d'être un filet de poulet. Bon, c'est quoi l'histoire là? Oh, t'as déjà les oreilles qui commencent à... Bah,
l'histoire, c'est que sur notre poste où on a pris les deux brocs, j'ai pas vraiment vu de truc intéressant au niveau des cendres. Donc on est descendu de, je sais pas, un kilomètre à peu près. Et on essaye un peu plus bas. Voilà. J'ai toujours mes deux cannes pélagiques et je suis en train de monter de quoi pêcher en linéaire avec un linéaire entre deux eaux avec un leurre souple. Donc je pense que je vais choisir un ZPS en 12 par exemple, un truc assez gros mais pas trop, qui va pouvoir se repérer de loin puisque le Riott Olive il est juste magnifique pour ce type de flotte un peu turquoise. Donc voilà, je vais monter ce combo. Tout en laissant sécher l'intégralité de mes boîtes. J'ai eu un joli refus là d'un cendre correct, je pense, qui n'a pas voulu de mon leurre. Mais il s'en est fallu de peu. Franchement, il est arrivé relativement vite. Je pensais vraiment qu'il allait le prendre. Anna. Ah, je l'ai raté. Ah, c'était un joli cendre que j'ai bien vu monter sur le leurre, il m'a mis une grosse châtaigne et je l'ai raté. Ça arrive. Dommage. Belle touche, franchement. Je pense que c'était un beau poisson. Bon. C'est quoi l'histoire? On se fait chasser de notre poste. On est arrivé. Par les gendarmes. J'ai pris une belle touche et ils sont venus nous dire de nous éloigner parce que on leur fait des perturbations aux sondeurs parce qu'ils cherchent un disparu. Voilà. Donc wow. Ils sont en mode Jacques Pradel et nous on voulait prendre un cendre, mais bon, c'est quand même plus important de les laisser chercher leur macabre. Exactement. C'est énorme, je crois qu'on l'avait jamais eu. C'est énorme. Ils ont un petit sous-marin et tout. Bon, écoute, si on voit quelque chose. Bah oui, ils ont pas pris la flotte au moins. Ils sont arrivés après la flotte. La classe. Ta type se fait chasser de son. J'avais quand même trouvé un petit truc sympa. Putain, plein de poissons. J'ai pris une grosse touche, il y avait du fourrage et tout. Ça a pas duré longtemps. Tu vas voir. Quoi tu ressembles? Ah, oh, c'est un broc! Mais non. Ah, oh, c'était un brochet. Ah, tu l'as loupé? Ouais, ouais. Il s'est décroché en surface, regarde, il y a le. Merde. J'ai même pas mouliné, j'ai. Ouais. Il m'a coupé l'empile en acier. Oh. Il m'a coupé l'empile d'acier, mais il est bien monté, il a bien frappé et tout. Je croyais, j'étais vraiment sûr que c'était un. J'étais sûr que c'était un cendre. Bon, c'est pas très grave, il va se défaire facilement. Petit bout d'empile. Oui, bon. C'est pas méchant. Belle action. Ouais, belle action, franchement. C'était super. Non, les brochets sont chauds plus que les cendres. Ah oh oui, il est dessus. Hop, je l'ai. Un broc. Pas du tout. Ah non, c'est un cendre. Oh, oh, il est beau. Oh là là, fieux. Boum. Ah, il a. Eh ben, joli cendre de Vouglan. Paf. On va faire vite pour qu'il reparte bien. Parce qu'il était quand même dans une douzaine de mètres. Paf. On va voir le leurre. Ah ben, le leurre, on ne voit plus, mon pauvre. Quoi, fallait. Une touche de qualité. Je veux bien la pince, s'il te plaît. Un joli poisson qui doit faire pas loin de 80. On va le relâcher vite. Okay. Faut pas trop tarder quand on les prend un poil profond comme ça. Ah bah là, j'ai pris une vraie touche. Hein. Sur le slick finesse en 40 grammes, c'était tout aspiré, piqué dans le palais. Donc c'était vraiment chouette. Je l'ai vu monter, il a marqué un petit temps d'arrêt, j'ai animé entre guillemets, en fait je suis reparti vers la surface, j'ai monté et là il a attaqué. Sur les animations de ces poissons à vue là, faut éviter les animations, les tressautements, les choses qu'on peut faire quand on pêche en verticale d'habitude pour pouvoir décoller un poisson par exemple. Quand le poisson est proche du leurre,
En général, l'animation, elle est un peu rédhibitoire. Soit on bouge pas, il se décide. S'il marque un temps d'arrêt et qu'il n'a pas l'air de vouloir frapper, à ce moment-là, je monte tout doucement, puis un peu plus vite. Mais en aucun cas, je descends et en aucun cas, j'anime. Je pense que, voilà, je connais pas à fond cette pêche, mais le peu que j'ai pu voir sur la réaction des cendres, aussi bien en vertical qu'en pélagique au sondeur, c'était ça. Pris une belle pétée. Ah, j'ai pris une pétée. Une petite pétée. Une pétée. Je vais essayer d'en prendre une autre. De pété. Dis donc, passe pas derrière moi, s'il te plaît. Je te connais. En mettant le cul en buse. Mettant son petit cul en buse. Ouais, c'est pas moi qui ai sauté tout nu dans l'eau ce matin. Hein. Ouais, je te vois venir, Morel, avec tes gros sabots. Alors, pour cette pêche avec des têtes plombées assez lourdes, j'ai pris la Vertical Spin dans la gamme Terminator. C'est pas la petite, la polyvalente là, c'est celle qui est up to 60, donc jusqu'à 60 grammes. Bon, en réalité, moi j'ai 40 grammes et un finesse qui doit en faire une dizaine. C'est suffisant, surtout qu'il n'y a pas d'animation particulière ou quoi. Et puis du coup, c'est une canne qui reste légère. Et dessus, j'ai mis un moulinet 2005, j'aurais très bien pu mettre un 1000 en fait. C'est pareil, c'est juste une réserve de fil. Les petits Warriors, ils sont bien là, j'ai un Warrior 2005, franchement ça fait le boulot large. Voilà, donc c'est un ensemble qui reste léger, une petite tresse, bon là elle est encore, c'est pas un moulinet que j'utilise pour ça normalement, donc elle est peut-être un peu épaisse, ça doit être une PE 1-2 ou 1, on peut descendre en 0,6 ou 1, dans ces trucs-là, pas 0,6, hein, 0,8 minimum, et puis voilà, un bas de ligne en fluoro, ça c'est un reste de bas de ligne visiblement, parce qu'il est pas grand, c'est pas nécessaire franchement, là j'en ai 50 cm, autrement dit ça sert à rien. Un petit bout de gros fluoro parce que, en particulier si on pêche dans un endroit comme ça où il y a beaucoup de broc. Et puis c'est tout, c'est vraiment simplissime, aussi bien le montage que le combo, il y a vraiment rien de sorcier. Ça te va bien ça quand c'est pas sorcier? Bah oui hein, faut que ce soit un peu simple sinon je comprends pas. Comprends vite mais faut y expliquer longtemps le type. Exactement. C'est pas l'hôpital qui se fout de la charité non? Des fois. Ouah, et bah j'étais pas étanche ce matin. Donc on a arrêté de bonne heure. On considère que la mission est remplie. On a pas mal de route tous les deux, donc c'était plutôt pas mal. humide. C'était très très humide, mais bon, on a quand même fait quelques poissons sur ce lac de Vouglans là. C'était chouette. Le houseboat. Très bien. Bon, c'est un petit peu rustique, j'avoue, hein, mais finalement, ça a permis de ne pas perdre trop de temps ce matin. Même si on n'a pas fait un réel coup du matin, hein, t'étais bien dans ton duvet, mon cochon. T'as mis du temps à sortir. Comme d'hab. Et franchement, très bien. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a fait une petite approche de la pêche pélagique. Moi, j'ai pas la prétention d'être un spécialiste là-dessus, mais on a pu voir que il y a des poissons suspendus dans les grandes profondeurs, et ça, c'est valable absolument partout. Tous les lacs de barrage, il y a des gros cendres qui sont suspendus, il y a des gros brocs qui sont suspendus, et ça, c'est des poissons qui étaient peu voire pas pêchés avant. Et il y a quelque chose à faire. Il faut, le combo de base, il est hyper simple. Il faut pas 36 leurres. J'ai pas changé mon finesse de la journée. Et on n'est pas obligé d'avoir de l'électronique high-tech pour faire ça. Un sondeur 2D, dès l'instant où on réussit à avoir son leurre et on réussit à avoir les échos, ça suffit pour s'y essayer. Donc merci pour cette mission encore, la 21 elle est réussie. On se dit à bientôt pour la 22. Ouais, j'ai peur que ça soit celle de Noël. Ah mais il y a celle de Noël, ouais. La mission du Seigneur. Les deux de Noël, franchement, non, on a fait quoi, 3 Noël? Ouais, 4. La dernière c'était un petit peu un duel au Portugal. J'aurais rien contre remettre ça parce que tu progresses d'année en année, alors... Ça serait bien intéressant. je voudrais bien remettre ça. Voilà. Et à bientôt pour la mission de Noël. Et puis j'espère que celle-là vous a enchanté. Allez, ciao, ciao.